Et salut tout le monde, c'est Sergi 30 000 et bienvenue pour un nouvel épisode de Princess Peach Showtime. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait fait pas mal de choses. C'est un épisode plutôt intéressant, donc je vous invite à aller le voir, notamment parce qu'on avait fait le premier boss et on avait sauvé aussi un étincelliste. Voilà, l'étincelliste épéiste était peut-être par ici. Bah non, il était au sous-sol, hein, donc voilà, toi tu dis de la merde. Écoutez, on avait ouvert le premier étage. Je propose que nous fassions la fresque disparue. Peach va se transformer en inspecteur Barnaby. Ça va être incroyable. Inspecteur Derrick, me voilà. La dernière fois, on avait fait pas mal d'actions, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un truc un peu plus posé. Tout le monde a l'air inquiet par ici. Pourtant, la ville est sûre grâce à son détective qui résout toujours les mystères. Bah, à mon avis, le détective a disparu. Ok. Comment réagirais-je? Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Laissez-moi! File-nous tout ton fric! Vous dégagez, vous? Toi, te mêle pas de ça! Voilà. Ok. Merci, tu as été très courageuse. Je rêve où? Ah oui, Peach dansait avec lui. Ok. Pourquoi pas? Mais où sont les policiers? Je t'ai vu, tu as été fantastique. Merci. Je peux aussi te donner un coup de main? Comment ça? Bah non, cette fresque antique m'intrigue. D'accord, pourquoi pas? Le musée est fermé aujourd'hui. Mais c'est urgent, il y a une menace. L'enquête ne peut pas être menée sans moi. T'es l'assistant du détective, rien de plus. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, petit. Ils ne veulent rien entendre. Mais non! Ne sois pas triste. Je n'y arriverai pas tout seul. Allons, il me faut juste un nouveau plan. Est-ce que tu peux me suivre? J'ai pas le droit de dire non, hein, visiblement. Ok. Eh ben, je prends. Là, il n'y a pas un truc. C'est ridicule comment elle danse. Et vous, là, vous... Vous saoulez les gens, là. Ça vous dérange pas, d'accord. Bon. Bah écoutez, y'a rien pour le moment, hein, on peut continuer. Entre vite! Ça va, laisse-moi faire le tour de la ville quand même un peu. Le détective est absent en ce moment. D'accord? Et je me cache derrière le canapé. Je voudrais vraiment aider. Mais pour ça... Il faudrait déjà résoudre l'énigme de ce bureau. Étoile éclair... Nuage, soleil. Bah, c'est simple, hein. Elle est où l'étoile? Elle est là. Étoile... Éclair, nuage, soleil. Alors franchement, si t'arrives pas à résoudre ça, franchement, laisse tomber le taf, hein. Ouah! Eh ben voilà, parfait. Bah, c'était ridicule, hein. T'es vraiment naze, toi. Aussi inutile que Luke dans Professeur Layton. Eh ben écoutez, c'est parti. Let's go, Peach! Détective. Incroyable. J'ai hâte de savoir ce qu'on va faire, tiens. Ok, alors je peux chercher des trucs. Je peux sauter aussi. Bon, elle a perdu de l'agilité. Ok. Mais où est passé l'assistant? Bah là, il y a un truc. Oh, il y a une note par terre. Voyons un peu. Si un détective lit cette note, qu'il vienne me trouver. C'est de l'assistant. Ok, d'accord, d'accord. Bah, il est là. Ses coussins sont moelleux. Éclat d'intuition. Ah ouais, d'accord, ok. C'était pas vraiment une énigme, hein, en vrai. Soyons honnêtes. Ah!
Tiens, tiens. Tous ces documents sont des affaires classées. On ne devrait pas les lire sans autorisation. Et donc ? Fais attention, Peach, tout éclat d'intuition qui te mène à une erreur te fera perdre un cœur. Dans ce bureau, nous nous entraînons. Alors si tu trompes, tu ne perdras pas de cœur. D'accord. Oh, il faut pas que je fasse des conneries, alors. Jolie collection de romans policiers. D'accord. Des photos du détective de la ville et de son assistant. L'assistant du détective nous a dit que ce dernier était absent pour le moment. D'accord. Eh ben, c'est bon, alors. Incroyable. Rien ne t'échappe. Tu es une grande détective. Je t'ai juste trouvé derrière les coussins, mec, hein. Tu peux déceler la vérité grâce aux éclats d'intuition. Bon, je crois qu'on peut y aller. Un mystère nous attend. Eh ben, c'est parti. N'empêche, j'ai envie de vous dire, Peach a quand même beaucoup plus de classe que tous les étincellistes, hein. Allez. Oh, une détective, tu peux rentrer. Moi aussi, hein, si je m'habille comme ça, je peux rentrer. Je suis pas pour autant en détective, quoi. Ah, une détective, enfin. Bien, tu tombes à pic. Le directeur t'attend dans la salle adjacente. Ok. Une gravure contenant un texte ancien et probablement notre plus ancienne trace écrite. Les portes sont maintenant fermées. Enfin, sont fermées maintenant. On a fermé le musée. Je ne peux même pas rentrer chez moi. D'accord. Ce policier ne laisse sortir personne. Qu'a-t-il bien pu se passer? Je pense qu'il y en a un qui a volé un truc. Je veux voir les momies. Je suis venu voir les momies. Dans la salle du fond. J'espère qu'ils vont bientôt ouvrir la salle des momies, me fascine. D'accord. Ah, voilà enfin une détective. Nous avons trouvé une note menaçante sur la fresque théamienne. On peut y lire, nous allons vous prendre cette fresque théamienne. S'il arrivait quoi que ce soit à notre précieuse fresque. Mais pourquoi le courant est coupé tout à coup? Ah! Non! La fresque, elle a disparu! Je t'en prie, trouve ces malfaiteurs. Ok, c'est parti. Ok. La fenêtre. La fenêtre était parfaitement fermée. Comment ont-ils pu entrer? Alors, attends. Quelque chose est écrit sur le mur qui exposait la fresque. Nous avons pris votre chère fresque. Signez les cambrioleurs maléfiques. D'accord? Je n'en reviens pas. La fresque a disparu au moment même où le courant s'est éteint. Ça me rend fou. C'était terrifiant. J'ai peur du noir, alors je me suis resté accroché à cet agent jusqu'à ce que le courant revienne. Ah bah c'est à cause de lui. Personne n'a franchi cette porte, alors que le courant était éteint. Il faut dire que cet employé s'était accroché à moi, et que je ne pouvais plus bouger. Bah donc c'est toi, c'est à cause de toi en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il a lui? Mettons-nous au travail. Parlons aux témoins et explorons le musée pour comprendre où les voleurs sont allés. Ah bah ils se sont cassés hein, ça c'est sûr et certain. Ils sont pas restés à côté hein. Il faisait si noir que je voyais très mal, mais j'ai senti quelqu'un dans la salle de gauche. Ce n'était pas rien cette coupure de courant. J'espère que les momies sont intactes. Ah! Elle a bougé. Ouais. Yes! Ok, parfait. Ah! J'ai loupé un truc. Où est-ce que c'était? Attendez, j'ai loupé un truc? Ah bon? Ah! Ouais, il y a un truc derrière. Ah merde! Pff, le bas-relief d'une gemme étincelle, preuve qu'autrefois, déjà on lui accordait de la valeur. Peut-être qu'il va nous la donner, non? Ah mais non. Ah oh, je suis le pire détective, hein. C'est un conduit d'aération. Les voleurs sont peut-être passés par là. Allons à l'intérieur.
Mais ça m'emmerde parce que... Mais il devait y avoir quelque chose dehors, en fait. Bon. Mais écoute, allons-y, hein. Attends-moi ! J'ai loupé un truc, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Ok. Oh ! Cette vitrine est cassée. On pouvait y voir des objets appelés masques de transformation. Il est écrit qu'ils permettaient à leurs porteurs de revêtir toute autre forme. Mais c'est évident, les voleurs se sont sûrement transformés grâce à ces masques. Alors déjà, il y a ça. Oh, une clé en forme de pic. On pourra peut-être s'en servir. D'accord. Ouais. Un coffre? Et si on l'ouvrait? Ok, bah très bien. Donc ils se sont transformés. Ouais, bon d'accord. Là il y a une clé encore. Nos voleurs sont forcément quelque part ici. D'accord. Là-bas il doit y avoir une gemme déjà. Tâchons de trouver tous les indices afin de démasquer les voleurs. Alors, déjà ça. Une clé en forme de carreau. Il y a du pop-corn. Du pop-corn? Est-ce que quelqu'un l'aurait fait tomber? Mais non, mais c'est surtout toi, là. Statue de deux grands metteurs en scène. Ah! Et pourquoi il a des lunettes? C'est lui alors? Parce qu'il y en a que deux. Non. Je comprends pas. Bah c'est lui alors. C'est obligé. Yes! Voilà, parfait. Ah, bon travail. Il y avait un paquet de pop-corn de trop. Il reste encore un voleur. Je suis sûr que tu vas le trouver. Ok, lui, il le suit sans broncher, quoi. Il faut récupérer le masque, non? Ok, même pas. Tu dors, toi. Bah bon, j'ai rien vu d'inhabituel ici. D'accord. Alors là, il y a un truc. C'est parti. Donc. Un coffre. Et un autre. C'est tout? Ouais, bah je crois que c'est tout, hein. Ouais, y a plus rien, ok. Allez, on y retourne. Donc, cette serrure, je suis sûr que la clé en forme de pic irait dedans. Et ben voilà. Y a un voleur là-dedans. Ah non, c'est un mec. Merci de m'avoir sorti de là. Je n'en ai pas l'air, mais je t'assure que je suis policier. Quelqu'un m'a attaqué puis volé mon uniforme. Ah. Donc il y a un policier qui est pas un vrai policier. Dire qu'un policier était enfermé dans un sarcophage. Ce sont les voleurs qui ont fait ça? Bah ben, sûrement, hein. Alors attends, déjà il y a un truc là. Ok. C'est quoi ça? La maquette d'un monument funéraire royal. La pyramide renferme un pouvoir, paraît-il. Ah bon? C'est-à-dire? Mais je pensais qu'on pouvait l'ouvrir! Tu peux pas faire d'interaction avec, en fait. Bon, lui, il est louche, hein.
T'es louche, toi. T'es tellement louche. Ouais, t'es louche. Mais enfin, je suis innocent! Ah bon? Mais pourquoi tu dors, frère? Mon indice était bon, je le savais. Ah, bon. Alors, attends. Personne n'a franchi ces portes. Que ce soit pour entrer ou pour sortir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oula. Ah. Je vends des appareils photo. Et l'un d'eux a disparu. Il était pourtant juste là avant qu'on coupe le courant. J'ai vu personne de suspect, moi. Mais t'as un appareil photo. Alors comme ça, un des voleurs s'était transformé en statue. Putain, là, j'ai plus de cœur en plus, hein. Bah, si ton appareil photo a disparu, je dirais que c'est lui, hein. Yes! Ok, parfait. Un deuxième. Il était trahi par ses vêtements et son appareil photo, bon travail. Nous les avons trouvés. Allons parler au directeur. Ok. Parfait. Ok, bah il va m'en manquer un, malheureusement, mais bon. Pas grave, hein. Tant pis. Je sais pas où est-ce que j'aurais pu le louper, en fait. C'était avant de rentrer dans cette salle-là, en fait. Cracher le morceau. Dites-nous où est la fresque. La fresque? Quelle fresque? Hé, si tu crois qu'on va dire qu'on l'a planquée quelque part dans le musée? Ah, elle est donc encore dans le musée. Ah, tu arrives juste au bon moment. Grâce à toi, nous avons les malfaiteurs. Mais nous ignorons encore où ils ont caché la fresque. Tu dois la retrouver. Ok. J'ai beau insister, les voleurs refusent de passer aux aveux. Alors où est-ce qu'ils auraient pu cacher la fresque? Je savais bien que cette enquête n'était pas terminée. Cherchons des indices pour trouver l'emplacement de la fresque. Quand je piétine dans une enquête, j'aime prendre l'air pour m'éclaircir les idées. J'aime bien prendre l'air. Cette fenêtre est un peu trop haute pour nous. Avec un tabouret, je crois qu'on pourrait l'atteindre. Un tabouret? Ouais. Je peux aller dans la salle du fond maintenant? Youpi, à moi les momies! Ok. Ici. Allez. Essayons d'ouvrir la fenêtre. J'aurais bien voulu le pointer, le truc. Quelque chose d'écrit sur le mur. J'aurais bien voulu le pointer au début, mais je savais pas si c'était une bonne idée. Mais je pense que là... C'est bel et bien ça. En fait, elle a pas bougé. Ils ont juste mis un rideau, quoi. Mais la fresque était restée au même endroit. Elle a donc jamais été volée. Tu viens de rendre un énorme service au musée. Je te suis très reconnaissant. Oh, bah non. Moi qui pensais qu'il s'en rendrait jamais compte. On a réussi. C'était super de te voir résoudre ce mystère. Une nouvelle détective hors pair aînée. Et l'enquête est enfin terminée. Eh ben voilà, parfait. Incroyable. Alors, ben du coup, on va pouvoir se retaper le... Ah, j'ai pas le ruban non plus. Ben, on va se refaire le niveau pour voir où est-ce que j'ai loupé les trucs. Allez, c'est reparti. Vas-y, Peach, tu peux rentrer, s'il te plaît? Ok, il faut que je ressorte pour rentrer. Gros délire. Allez, c'est reparti. Bon, je vous fais une petite ellipse, hein, on va pas tous retaper non plus. C'est quand même fou que dans une partie enquête, j'ai pas réussi à faire le niveau à 100%. Hein. Oh! J'ai perdu mon ticket. Bah déjà, il y avait un endroit ici que je suis pas allé voir. Au tout début. Tu l'as retrouvé?
Bah, ouais, non, pas trop. Enfin, j'avais pas vu du tout où est-ce qu'il était, mais bon. Tant mieux. J'ai le ruban, déjà. Il était dans la petite allée, là. Les amis, c'est juste là. Pourtant, on y était allé, mais je crois que c'est parce que j'avais pas le costume encore. C'est pour ça que ça marchait pas. Je pense que, ouais, c'est exactement là, hein. Allez. Une grosse caisse en bois. Je me demande ce qu'elle contient. Allez, casse-moi ça. Voilà, parfait. Eh ben super. On peut terminer le stage sans problème maintenant. Magnifique. Et voilà les amis, c'est bon. J'ai terminé encore une fois la scène de Peach Détective avec tout. Parfait. Et ça nous fait environ 200 petits trucs en plus. Enfin, 200 petits joyaux, voilà. Enfin, petites pièces aussi, on peut dire ça. Pas vraiment des joyaux, en fait. Eh ben voilà, magnifique, regardez-moi ça. Alors, garde-robe. On a une nouvelle robe pour Peach, avec des points d'interrogation. Incroyable, ça. Bon, ben, je propose qu'on... Je sais pas, qu'on mette quoi comme robe. Oh, la robe à étoiles, allez. C'est mignon. Bref, du coup on a terminé. Collection. Costume. Voilà, Peach Détective, costume pour les amateurs d'énigmes. Œuvrant pour que la justice soit faite. Regardez-moi ça. Voilà. Vas-y, fais ton action. Incroyable. Non mais elle est sympa. Elle est sympa comme ça, j'aime bien. Bref, voilà les amis, on va pouvoir s'arrêter là de toute manière pour cette vidéo sur Princess Peach Showtime. La prochaine fois, je pense qu'on va se faire... Eh ben pourquoi pas... Une fleur de neige sur la glace. Ça peut être sympa ça. Peach Philippe Candeloro. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Princess Peach Showtime. Allez, ciao ciao.